On a hâte. On a hâte que ça commence et voir Jennifer. Depuis le temps qu'on attend que ce genre de choses se produisent. Bah, elle évolue à chacun de ses albums, donc on grandit avec elle. C'est super, moi c'est mon premier concert, donc c'est magique quoi. Bonjour. Ça. Ça fait très. Donc, première question. Si tu devais décrire l'ambiance de la prochaine tournée en trois mots, quel serait-il ? Écoute, ce sera assez festif, coloré, musical. Ok. Non, ce sera. Ouais, ce sera une ambiance très festive. Finalement, même si les textes ne sont pas forcément joyeux, on va s'en amuser. Donc moi j'ai une question, il n'y a pas de rapport avec la tournée, je voudrais en savoir un peu plus sur ta rencontre avec Will.i.am. C'était assez surprenant. En fait, après les Energy Music Awards, il y a un dîner de la maison disque, organisé par la maison disque. Donc on est dans la même maison disque, Will.i.am et moi. Et donc j'étais à ce dîner-là, j'étais en train de me servir et Will.i.am s'est avancé vers moi pour me féliciter du prix que j'avais reçu. Et j'ai un peu plaisanté en lui disant mais tu me connais même pas, c'est bon, avec le peu d'anglais. Voilà. Vous imaginez ce que ça pouvait donner. Donc c'était assez drôle, il a ri et il m'a dit mais si je te connais. Et il m'a dit je danse jusqu'à rire. J'avais plus trop quoi dire. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il peut faire. Je trouve qu'il est extrêmement talentueux. Et donc j'étais très touchée et je lui ai dit peut-être qu'un jour on travaillera ensemble. Et puis après il allait parler à quelques personnes de la maison disque. J'étais là, j'ai dit non, c'était drôle. Voilà, la rencontre était sympa et plutôt amusante. Voilà, et surprenante parce que le fait qu'il me fredonne je danse, c'était. J'ai dit ah ouais d'accord, il connaît carrément ma chanson, le mec, il est connu mondialement, il fait tube sur tube. C'est un groupe que j'écoute, j'aime bien, qui me fait bien bouger. Et donc c'était assez surprenant de l'entendre fredonner je danse quoi. Moins pire, j'ai moins peur à me dire des vampires que de ton souvenir. Je danse.
Merci. Merci Jen, merci beaucoup Pure Fan, c'était vraiment super, on s'est éclaté, merci, merci, merci. Elle est la tête sur les épaules, elle n'oublie pas d'où elle vient et elle est restée très accessible malgré les années, tout ça. Elle est toujours restée la même.